On va parler société à présent. L'harmonie relationnelle entre le Gabon et le Congo se porte bien. J'en veux pour preuve la mission d'une délégation congolaise à Libreville. Il est question d'un partage de connaissances sur la refondation du système de sécurité sociale des agents de l'État en matière de prestations familiales. Eh bien, la délégation était ce matin au siège de la dite institution en présence de Cheryl Annabelle Bongota, Michel John Boudéon. Cette mission d'appropriation de l'expérience gabonaise s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Gabon et le Congo, signé le 28 juin 2017. La délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre congolais du Travail et de la Sécurité sociale s'intéresse au système de fonctionnement de la CPPF sur des aspects techniques en ce qui concerne la branche prestation familiale. Le Congo, au même titre que le Gabon, s'est lancé dans la refondation du système de sécurité sociale. Il est vrai qu'au Gabon, vous avez pris un pas d'avance par rapport au Congo. Et nous, dans notre refondation, nous sommes partis de 4 régimes avec 4 nouvelles caisses. Et ce qui nous intéresse au niveau de votre caisse ici, c'est notre caisse qui se rattache beaucoup plus à la famille pour s'approprier notamment de tout ce qui a trait aux aspects juridiques, constitutionnels, techniques et opérationnels. C'est une présentation générale de l'organe de gestion qui a été faite par son directeur général, Marcel Mbélé-Loussou. Il a fallu d'abord créer un compte d'affectation spécial sur les pensions et un autre sur les prestations familiales pour en faire une entité à part au niveau du budget de l'État. Nous avons fait adopter une réforme sur les prestations familiales. Nous avons repris les prestations de maternité que la solde avait arrêté de payer depuis une vingtaine d'années déjà. L'allocation de rentrée scolaire. La loi prévoyait un certificat de scolarité. On a exigé. Nous avons adhéré à la CIPRES en 2016 et à l'AISS. L'administration engagée dans la refonte du système de sécurité sociale dans le secteur public, grâce à plusieurs réformes initiées depuis 2015, est spécialisée dans le recouvrement des cotisations sociales, la liquidation et le paiement des pensions et des prestations familiales. Créée en 2014, la structure en charge des questions de sécurité sociale jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Elle compte aujourd'hui plus de 100 000 assurés.